Coucou tout le monde, j'ai craqué, voilà pourquoi. Vous allez voir pourquoi, je vous dis ça, voici le sac. Et tout y est, on va voir ça. Donc c'est vrai, peut-être ça va vous paraître insensé d'avoir mis une vidéo sur les dépenses et ne plus dépenser. Et qu'aujourd'hui je vous mets une vidéo où j'ai dépensé. Certes, ce sont des produits de beauté que je n'ai pas chez moi. Ce sont des nouveautés que j'avais envie de vous faire découvrir. Et non seulement des produits de beauté, mais comme vous savez toutes et tous aussi, je suis quelqu'un qui est très créative et qui est très artistique. Donc je crée beaucoup de choses manuelles et je vais présenter ça aussi. On a un petit bazar donc dans notre magasin. J'avais acheté ceci. Ça, c'est des petits stickers qu'on peut utiliser pour les scrapbooking. Mais comme j'aime beaucoup écrire, donc j'aime beaucoup aussi décorer un petit peu mes écritures, donc dans les bloc-notes. Et ben voilà, ça fera l'affaire. Donc ça a coûté quoi? Donc c'est un petit frise adhésive, une petite frise adhésive que vous pouvez aussi décorer autour de votre cadre photo, admettons. Bon, ça a coûté 2,50. Après, vous allez me tuer, ça fait déjà plusieurs fois que je vous montre mes bloc-notes, mais encore une fois, j'ai pas pu résister. C'est un Zaboul qui est 100% recyclé, qui a un toucher pas possible et très très agréable pour ce papier, j'adore. Donc j'ai pas pu m'abstenir, hein, je l'ai pris. Bon, c'est vrai qu'elle était un petit peu coûteux quand même, ça coûtait 5,99, mais voilà. Ensuite, étant une petite bricoleuse également, je me suis acheté des tournevis de précision en aluminium avec 9 embouts en chrome qui fait en fait ce tournevis pour des tout petits détails d'assemblage. Si jamais vous perdez une petite vis sur votre montre ou sur votre paire de lunettes ou je ne sais pas moi, un autre truc, une souris, voilà. Donc vous pouvez utiliser ce petit tournevis de précision. Voilà, celui-là il coûtait 5 €. Ensuite, j'avais acheté ceci pour mes bijoux fantasy. Donc je pourrais, admettons, faire des boucles d'oreilles pour des enfants ou bien des petits bracelets, donc des perles fantasy avec des petites lettres et des petits dés. Ça a été à 3 €. Voilà, donc couturière entre guillemets, hein. Donc les loisirs créatifs, c'est pour moi, et un peu de couture également, donc des élastiques de avec 3 largeurs différentes, donc de 0,5, 1 et 2 cm et 2 cm, donc ça m'a coûté 2,50. Bon, ça, il ne faut pas me poser des questions pourquoi j'avais acheté ça, je ne sais pas, parce que j'ai juste apprécié, enfin, j'ai adoré ces stickers papillons 3D, comme j'ai dit, pour scrapbooking, pour des écritures, ou bien même une lettre, ou une enveloppe à décorer, ça peut être sympa. Même si on appuie là, vous allez voir, on dirait que les papillons, ils bougent leurs ailes. C'est juste magnifique, j'ai pas pu m'abstenir, donc je l'ai pris. Il y en a une, donc boîte avec des papillons plutôt orangé et bleu foncé, ainsi que l'autre avec des papillons bleu clair et blanc. C'est vraiment très très mignon, j'adore. Chacune à côté 2 €. Ensuite, une chose utile, ou peut-être inutile pour certains, pour moi je l'ai trouvé utile, donc c'est un ruban adhésif magnétique. Vous pouvez coller, d'après ce que je vois sur les images, vous pouvez le coller, admettons, sur le mur ou sur le frigo, et vous collez vos photos, ce que vous voulez, enfin voilà, ce qui tient, 3 €. Et donc maintenant, le plus intéressant. La partie que vous venez de voir, j'ai payé, au lieu de 32 €, j'ai payé 27,84 €, bon, grâce à ma carte salariée. Seconde partie, je vais vous dire de suite combien j'ai payé. Au lieu de payer 71 €, j'ai payé 56 €. Donc vous allez voir ce que j'ai acheté. J'ai acheté ces rasoirs en lot de 20. Il y avait une bonne remise dessus, j'avais décidé de les prendre. Donc c'est-à-dire qu'ils coûtaient à la base ça coûtait 10,89 € et moi je l'ai payé même pas 4 €. Je l'ai payé 3 et quelques. Je trouve franchement ça vaut la peine. Hein. 3 et quelques euros pour 20 rasoirs, c'est rien.
Après le miracle que j'ai toujours voulu, enfin ça fait un petit moment déjà que j'ai voulu acheter, mais je me suis abstenue parce que je ne voulais pas dépenser. Pas pu tenir longtemps, donc ça a tenu un mois. Et un mois après, bah, je m'achète Natura Siberica de nouveau, donc Sona Spa, un détoxifiant au sel de cèdre, donc en peeling pour le corps, gommage quoi. Fait en Europe, en général ils font ça en Italie je crois, je sais plus s'il y a une date de fabrication. Enfin, c'est un pays de fabrication. Oui, en Estonie. Pas en Italie, mais en Estonie. Et donc, ce spa, il coûtait combien déjà? Il coûtait 18 euros. Et grâce à ma carte, bah, je l'ai eu à 16, 15 euros. Même moins, 14 euros, voilà. Je vais l'utiliser, je vais vous montrer une vidéo, j'espère, comment ça s'utilise, quels sont les effets positifs et négatifs, on va dire, hein, quel est mon avis tout simplement sur ça. En restant toujours dans Natura Siberica, je n'ai pas pu m'abstenir et je me suis donc offert cette petite crème. Donc c'est une crème soin regard au ginseng de Sibérie. C'est un petit pot de 30 ml, enfin c'est une petite bouteille, qui coûtait donc 11 euros et que moi j'ai payé 7, même 6 euros. Voilà, c'est grâce encore une fois à ma carte. Je vais tester ces produits, vous allez voir ensuite ce que je vous en dis. Après j'ai vu cette nouveauté, je ne l'ai jamais vue en fait, L'Oréal qui faisait des masques détox à l'argile pure comme ça. Donc il y a toute une gamme de ces masques, il y en a eu des roses je crois même, je ne sais plus où. Enfin j'en ai vu 3 ou 4. Moi j'en ai pris celui-ci, donc ça se voit c'est un nouveau. Donc masque détox argile pure, détoxifie, révèle l'éclat. Et là vous avez 3 argiles pures plus du charbon. Ça me tente énormément et j'ai vraiment envie d'essayer. Ah voilà ce que vous avez, donc masque purifiant. Donc il y en a 3 en tout pour les peaux mates mixtes à grasse. Vous avez masque détox pour les peaux ternes et masque lissant pour les peaux irrégulières, pores élargies. Ben, moi j'ai pris pour les peaux ternes. Je ne pense pas que j'ai une peau si terne, mais je voulais justement un petit peu la détoxifier, lui donner un petit peu plus d'éclat après. Et donc ce masque il m'a coûté... il coûtait 9,95 à la base et moi je l'ai payé 8,50. Pas une grosse remise, mais j'en ai une quand même. Après, j'ai acheté toute une gamme de cette marque Lua que je connaissais pas et que j'ai très envie de découvrir et vous la faire découvrir également. Donc, vous avez toute une gamme des masques, que ce soit le visage, les lèvres, les pieds ou les mains. Pour les mains, j'ai rien pris parce que j'ai déjà essayé un masque que j'ai beaucoup apprécié pour les mains. D'une autre marque, vous allez voir, vous deviez voir sa vidéo sur ma chaîne. Et donc celui-ci, donc Lua by Laurence Dumont, ça c'est un masque ultra hydratant à l'aloe vera. J'avais envie de l'essayer. Voilà, masque pour le visage en tissu. Chaque masque, il coûtait, concernant le visage et les pieds, ça coûtait 3,95 et les masques à lèvres, ça coûtait 2,95. Donc moi, j'avais payé 2,50 pour les lèvres et 3,40 pour le visage, pour chaque masque et les masques des pieds. Voilà, donc celui-ci, visage en tissu, donc pour le visage en aloe vera en tissu. Celui-ci, pareil, donc Lua, masque visage en tissu qui donne de l'éclat autant. Et donc il est avec les vitamines C. Un troisième et dernier masque pour le visage cette fois-ci. Donc c'est un anti-âge au collagène marin. J'avais très envie d'essayer ça. Une vraie peau de bébé, on verra bien. Un masque pour les pieds, donc ultra hydratant, à l'huile d'amande douce. Ça doit être super agréable pour les pieds qui sont surtout chauffés et fatigués. Et puis donner un petit peu de douceur, ça fera pas de mal. Et puis les deux petits masques, donc les masques nourrissants et lissants pour les lèvres. Ideal Flash, bon, le nourrissant, il est avec quoi déjà? Gelée Royale. Et le lissant, il est avec le vitamine E.
Bon, bah, ça donne envie d'essayer, on verra bien. C'est aussi un tissu, je vais voir le résultat et si j'ai le temps et vous en avez envie, je vous ferai une vidéo de présentation de comment sont-ils ces masques, comment on les applique et quel est le résultat par la suite. Voilà, donc là c'est marqué comment il faut les utiliser, etc. Donc, et oui, j'ai oublié de vous montrer ce petit format de shampoing. Donc, shampoing, c'est un. Plutôt, c'est un plutôt quoi déjà? Ça s'appelle une minute miracle. Donc c'est un petit reconstructeur pour les cheveux. 3 minutes miracle, soin intensif pour les cheveux abîmés. À l'extrait de mélisse et citronnelle d'Australie. Donc marque aussi que je n'ai jamais acheté. Et ça, ça m'a été offert. Donc je vais essayer si ça redonne vraiment la souplesse et la brillance aux cheveux. Je vais vous montrer ça ensuite. Je vais vous en parler de cette petite miniature si ça m'a bien servi ou pas. Voilà, je vous en dirai plus après. Désolée pour ce petit oubli. Ciao. Ne me grondez pas trop, je vous remercie quand même à toutes et à tous d'être présents encore une fois sur ma chaîne, de ne pas quitter ma chaîne, d'y rester et puis de continuer à regarder mes vidéos et voilà. Donc je vous dis à très très bientôt, un gros bisou et ciao.